Bonjour et bienvenue en ce moment de prière du mardi de la quinzième semaine du temps ordinaire. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Récitons ensemble le psaume 42. Rends-moi justice, Rends justice au mon Dieu, Dieu. défends Défend ma, ma cause contre un peuple, peuple sans foi. foi. De, de l'homme qui ruse et trahit libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. forteresse. Pourquoi, Pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler où mon âme et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme, comme il était au commencement, commencement maintenant et, et toujours, dans les siècles, siècles des siècles. siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il, il a, a fait, fait le ciel et la et terre. En cette journée, demandons à Dieu sa miséricorde. Je, je confesse, confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, et sœurs que, que j'ai péché têché, en pensée, en parole, par, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, je supplie la, bienheureuse la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et, et vous aussi, frères et sœurs, et de prier pour moi le Seigneur, Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie, votre, votre peuple, peuple se réjouira, réjouira en vous. vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, écoutez ma prière. Que, que mon appel parvienne jusqu'à vous. Prends pitié de moi Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour, toi qui es bon et qui pardonne, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Prions. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe autant d'Akaz, roi de Juda, resine roi d'Aram, et Péka, fils de Remaliahou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe. Avec ton fils chez Ariachob, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz, au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du foulon. Tu lui diras Garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tisons fumants, à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Ephraim et son roi. Ils se sont dit. Marchons contre le royaume de Juda, pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre, alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas, que la capitale d'Aram soit Damas, et Ressine, le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Remaliahou, chef de Samarie. Dans soixante-cinq ans, Ephraïm, écrasé, cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Parole du Seigneur, nous, nous rendons, rendons grâce à, à, Dieu. à Dieu. Jérusalem, Jérusalem ville, ville de, de Dieu, Dieu, Dieu la fermera pour, pour toujours. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. Jérusalem, Jérusalem, ville de Dieu, de Dieu, Dieu la fermera pour, pour toujours. À montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi, Dieu se révèle, en ses palais, vraie citadelle. Jérusalem, Jérusalem ville, ville de, de Dieu, Dieu la fermera pour, pour toujours. Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble, ils ont vu, et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Jérusalem ville, Jérusalem, ville de Dieu, Dieu la fermera pour toujours. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche, un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsi. Jérusalem, Jérusalem, ville, ville de, de Dieu, Dieu la fermera pour, pour toujours. toujours. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire, Gloire à, à toi, toi Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuses es-tu, Corazine Malheureuses es-tu, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu, louange, louange à, à toi, toi Seigneur, Seigneur Jésus. Jésus. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur un passage où Jésus exprime sa déception et son reproche envers certaines villes où il a accompli de nombreux miracles. Ces villes n'ont pas répondu avec foi et repentir. Jésus compare leur sort à celui de villes païennes qui, malgré leur réputation de péché, auraient réagi différemment si elles avaient été témoins de tels miracles. Ces paroles de Jésus nous invitent à une introspection profonde sur notre propre réception de la grâce divine. Ce passage révèle le cœur de Jésus rempli d'amour et de compassion, mais aussi d'une exigence de justice et de vérité. Jésus a accompli des miracles non seulement pour montrer sa puissance, mais pour inciter à la conversion. Lorsqu'il voit que ces miracles n'ont pas provoqué de changement de cœur, il exprime une profonde tristesse. Cela nous rappelle que chaque don de Dieu, chaque grâce, chaque moment de clarté spirituelle est une invitation à nous rapprocher davantage de lui. La référence aux villes païennes comme Tyr et Sidon est particulièrement marquante. Jésus indique que la réceptivité à la grâce ne dépend pas du passé ou de la culture, mais de l'ouverture du cœur. Ces villes, connues pour leurs péchés, auraient, selon Jésus, fait pénitence si elles avaient été témoins de ses œuvres. Cela nous pousse à considérer notre propre réceptivité. Sommes-nous ouverts aux signes de Dieu dans notre vie Reconnaissons-nous les moments où Dieu nous appelle à changer et à grandir dans la foi Jésus nous invite également à comprendre la gravité de la responsabilité qui accompagne la connaissance de la vérité. Ceux qui ont vu ces miracles et entendu ces paroles sans se convertir seront jugés plus sévèrement. Cela souligne l'importance de ne pas rester indifférent aux invitations divines. Nous sommes appelés à répondre avec tout notre être, à laisser ces rencontres avec le divin transformer notre vie. Finalement, ce passage est un appel à la conversion sincère. Jésus veut que nous réalisions que la foi authentique se manifeste par des actions concrètes par un changement de vie. C'est une invitation à un examen de conscience, comment répondons-nous à l'amour et à la miséricorde de Dieu Sommes-nous prêts à laisser ces dons transformer notre existence En ce jour, prions pour avoir un cœur ouvert et réceptif. Demandons à Dieu la grâce de répondre à son amour avec un engagement sincère et une volonté de transformation intérieure. Que nous puissions reconnaître les signes de sa présence dans notre vie et y répondre avec foi et conversion, Amen. Pour les grâces qu'il nous accorde, offrons nos louanges à Dieu. À toi, à toi Dieu, Dieu, notre louange, nous, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Seigneur. À toi, Père, Père éternel, l'hymne de l'univers. De Devant toi, Devant toi se, se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils, adorent et ils chantent. Saint, 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 le, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la, et la terre sont remplis de ta gloire. Ousana au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ousana au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que, par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu, tu n'as pas, pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout, à tout croyant, croyant les portes du, du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, enlis avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis les justes dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Dègne, Seigneur, en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, Seigneur j'ai mis mon, mon espérance, que, que je, je ne sois, sois jamais, jamais confondu. Prions pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. Prions aussi pour nos défunts, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Comme le Christ nous a enseigné, et selon son commandement, nous osons dire Notre, notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et, et avec, avec votre esprit. esprit. Bénissons le Seigneur, rendons, rendons gloire, gloire à, à Dieu. Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean, Gloire, Gloire à toi, toi Seigneur. Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Tournons-nous vers Marie, pour qu'elle intercède pour nous dans le ciel. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce vierge Marie, priez pour nous, sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Et par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté et le triomphe de notre sainte mère l'église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié, pitié de, de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié, pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Visitez notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Visitez notre site Web pour d'autres renseignements. Allez maintenant porter la bonne nouvelle au monde.